Restez ça. J'ai trop picolé. Va te chercher un Pepsi. C'est dommage que Guillaume soit pas venu. Ok. Allez, vas-y. Moi, je vais pisser en attendant. Pepsi. Ouais, y'en a plus. Oh, y'a un gros truc qui bouge là. Bouge. Mais dis donc, Steve, qu'est-ce que tu fous par terre? Finalement, je suis pas venu pour rien. On se retrouve pour la suite. Ok. bonjour. Donc on se retrouve pour la suite de Resident Evil Rebirth, toujours avec Michel là. Eh, hey, je suis Chris. Qu'on peut appeler tagine de poulet aussi. Mais t'as dit je suis Chris Redfield. Ta gueule, tagine de poulet là. Tu dis t'as vu Chris Redfield en compagnie de toi quoi. Y'a tous les Resident Evil qui sont sous ton lit. Même le tyran encore, bon lui laisse tomber, il aurait déjà fait un trou sous le lit. Mais regarde encore, tu crois qu'il va pas être ou quoi? Ouais. Salut! C'est moi, c'est le tyran! Alors est-ce qu'ils sont toujours là les autres cons? Je n'ai pas l'impression. Ta gueule, ta gine de poulet. Crystal Brad, can you hear me? Alors, le signe te suffit? Bro! Je pense qu'il m'a vu. Et là, il me balance une roquette en pleine face. Hein? Non, on dirait qu'il veut pas me dire bonjour. Ni au revoir, les petits serpents. Il faut y avoir un serpent normalement. Ah, il y avait des serpents avant quand je suis à l'aller. Le gros, des petits. Les petits. Attends, chut, le chien il dort. Fais dodo, chien, mon petit frère. Ta gueule! Ah! Tu m'as pas entendu, tu m'as pas entendu! Le mec c'est Superman ou quoi? Le chien, le mec il fait des sauts. Ah ah ah! Je l'ai baisé le chien. Non mais pas en vrai hein! Et après lui il croit que c'est en vrai. Ah bah les voilà, finalement ah il m'a dit bonjour. Ouais, bon, on les voyait, c'est dans le 1 aussi. Non, sans déconner. Aïe, putain, c'est une crête d'araignée. Aïe, mais... Putain, je me fais jamais toucher d'habitude. Ils m'ont empoisonné. N'importe quoi, je me suis jamais fait toucher par ces putains de serpents. Enfin, dans le 1, ils étaient plus simples, parce que dans le 1, ils étaient quand même inutiles, je trouve. Là aussi. Putain, je me suis fait toucher. Non, mais c'est de l'arnaque, là. C'est la malchance Chris Redfield, bordel. Et le poison, je comprends pas trop, j'ai entendu plusieurs rumeurs. Le poison, ça tue petit à petit ta vie ou ça te... Non, ça te réduit jusqu'au minimum. Au minimum. C'est-à-dire qu'après, un coup de n'importe quelle attaque te buterait. Ouais. J'avais même entendu que maintenant, les dégâts te reçoivent double, quoi. Un truc comme ça. Non. Mais c'est chiant, quand t'es empoisonné, tu peux même pas voir l'état de ta santé, quoi. C'est bien dans Battlefield. 10%, 90%. Ah, ah qu'est-ce que... Oh, 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 oh. Putain, mais si Chris avait un bruit comme ça quand il joue... Oh, je suis... Tagine de poulet, je t'adore. Mais un spray de soin. Bon, ben, ce spray, ça sert à rien, puisque... Merci, Dieu. Merci. Merci de m'avoir envoyé une grenade.
T'es si gentil, Dieu. Dieu envoie des grenades. Ah, attends, si je me souviens bien, dans Rebirth, t'as deux objets d'autodéfense. Oui, avec Jill, c'est les tasers et le couteau, et avec Chris, c'est le couteau et enfin le poignard avec les grenades. Tu vas pas me dire quand il va se faire choper par un zombie, il va faire bouffer la grenade. Mais si. C'est des grenades aveuglantes. Mais dans la bouche, ça fait exploser la tête quand même. Bah il est obligé, il va pas les balancer dans le tas, ça servira à rien. C'est plus au moins là, au lieu de buter personne, mieux qu'il bute au moins une. Hein, il n'y a pas de plagas là, donc niouf. Donc qu'est-ce que je voulais dire en fait? Il m'a coupé. Donc merci Dieu pour tes grenades. Et pour tes munitions de pompe, il est badass Dieu. Ceci vous protégera du monstre enchaîné qui résiste aux balles. Je serai par la poignée de porte pour que vous puissiez ressortir Wesker. Merci. Donc Dieu c'est Wesker. Ok, t'as laissé la main avec la lumière. Oh. Poignée de main. Ouais. C'est marrant, mais c'est exactement la même chose que Barry m'a écrit avec Jill. Sois pas foulé, hein. Ah ouais, j'adore. Bon, moi, il a aussi réparé la poignée de porte. Ce qui est pratique. Ouais. J'avais peur. J'avais peur que ce soit qu'avec Barry. T'imagines. Putain, avec Chris, obligé de se faire des allers-retours. Déjà avec Chris... Oh mon Dieu, il me le bergamote. Ça rappelle une cinématique du 1. Putain, et pourquoi là ils ouvrent les portes après non? Hein? Ouais. Donc là on recroise nos amis les blaireaux. T'es en train de dire qu'il est déjà mort, hein? Pouah. Ta gueule. Tu quoi là? Un couteau? Non, la grenade. Okay. Oh merde, on n'a pas vu l'explosion. T'imagines la tête du Hunter qui explose. Ouais, parce que normalement leurs têtes peuvent exploser, même au Hunter au chien quand tu fous les grenades. Alors vas-y. Par contre, je suis dégoûté. J'ai utilisé deux cartouches de pompe pour rien. Ça dégoûte ça. Bon. C'est verrouillé, l'emblème de la famille Spencer est gravé, tu vas te faire enculer. Bon bah voilà, Hunter tué. Parce que faut pas l'oublier, quand tu prends un Big Mac, y'a un Hunter dedans. Non. Je crois que je... Ta gueule. C'est bon, lui. Double ta gueule, triple ta gueule. Yeah. Et ta gine de poulet, descends un peu si tu l'oses. Bah il est descendu. Boum. Ça c'est du pistolet. Ouais. Pourquoi je t'appelle tagine de poulet depuis la précédente vidéo? Parce que t'as une gueule de tagine de poulet. Quand on voit la tienne, c'est deux fois plus pire. C'est pas gentil, moi, je t'insulte jamais. Bon, bah maintenant, ils me sont plus jamais utiles. Merci, c'est gentil. Merci de votre coopération, monsieur tagine. Alias poulet. Tagine. N'importe quoi, je sais. Et alors, il y a un problème. Bon, allez, c'est en devenant n'importe quoi qu'on fait n'importe quoi. Et en devenant n'importe qui qu'on fait n'importe quoi. Bon, l'esprit, ouais. Je présume que tu l'utilises pas parce que ça joue aussi sur la note. Non, en fait, ça, je m'en branle. Mais alors, totalement, c'est juste que je suis pas fou, je vais les économiser pour le combat du tyran final. Qui fait quand même sacrément mal. Alors, rien qu'avec G, je pense que j'en avais utilisé deux ou trois. Par contre, équipe-toi d'une arme parce que t'es à main nulle. Et alors, boum boum l'Hunter. Vas-y, allez, viens l'Hunter, viens si tu le... Merci à la femme de ménage aussi, hein, soit disant en passant. Elle fait toujours du boulot efficace. Je pense que je devrais lui remercier. Donc, où est-ce qu'on doit aller, là? Oh, les amis, où est-ce qu'on doit aller? Oh, il va falloir reculer, Shipper.
Bon, on va aller dans la pièce là. Donc on va passer par là. Si je comprends bien, ce qui est marqué en rouge, c'est ce que t'as exploré, mais qu'il y a des objets récupérés, c'est ça? Oh, je dis juste. Bravo! J'ai dit ça au pif. C'est le regagnant de notre super jackpot à 800 000 euros. Je sais pas, moi je dis ça comme ça, j'ai dit au pif. Ta gueule. Oh, c'est ta gueule. Non, même pas mal. Tu réussiras pas. Hop. Quoi? Foutage de gueule! Tu sais ce que ça veut dire? Voilà, je compte de retour commencer. Donc cette salute de Resident Evil est terminée, je m'en fous, j'ai fini avec Gilles, donc va te faire foutre. Donc on va passer à la prochaine soluce qui sera Silent Hill 3. Que si vous voulez, on fera après. Ce serait marrant. Ouais. Donc j'espère que vous avez aimé cette superbe vidéo de soluce. Mmh. Regarde, même le zombie il est content. Ça, c'était une superbe vidéo bien longue. Là, c'était pensé pour te montrer le Hunter rouge, mais bon. Hein. Jeu fameux. C'est pour ça que je suis passé par là, c'était pas obligatoire, mais bon. T'as vu? Je suis mort rien que pour toi. J'ai pris des risques. Voilà. Non, voilà, si j'arrête cette soluce, c'était pour lui faire plaisir. Oui, voilà. Tu me fais penser à plus jamais te faire plaisir. Tu sais, t'aurais pu me le montrer sur internet, le Hunter. Hein. Il n'y a pas besoin de me le montrer sur. J'ai jamais réussi à le trouver sur internet. Une image. À moins que je te montre ma vidéo, mais alors. Il va s'endormir encore une fois. Donc, dis le mot de la fin, ça va, t'as 20 minutes. Je pense que je vais faire la soluce moi-même. Elle sera beaucoup mieux que lui. Ta gueule facile. Super tough, ouais, ils sont dehors là. Ouais, ils sont ouais. 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 Oh, on ouais. Est bourré là. Ouais. Oh, oh, qu'est-ce que ouais. Tu me fais? Je suis bourré. J'ai trop picolé. Ouais, va te détendre, va voir un Pepsi, moi je vais aux toilettes là. Ok. Ah, c'est dommage que Guillaume soit pas venu. Voilà. Bon, allez, moi je me sers un Pepsi. Qu'il est. C'est bizarre, je le vois pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas? J'ai oublié de dire ta réplique.